Alléluia, dit mon frère, je voudrais adresser une courte prière au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous ne cesserons jamais de venir ton nom pour toutes tes grâces. Ta main a été sur nous depuis le matin jusqu'à 7h. Tu as conduit nos pas afin que nous venions dans ta maison. Nous sommes devant ta face. Nous attendons à toi. Instruis-nous dans tes voies, Seigneur. L'heure est très, très avancée. Il n'y a plus de temps. Notre Seigneur soit ton retour. Amen. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous faisons toutes choses en tenant compte du retour du Seigneur. Viens à notre secours et rends-nous capables d'être prêts pour ce grand jour de rendez-vous. Bénis cette communauté. Mes frères et ceux que tu as ta grâce, honore leur foi en m'accordant ce soir de paroles d'édification. Bénis toute la communauté. Bénis le berger. Bénis ses associés. Bénis quiconque travaille dans cette maison d'une façon ou d'une autre. Nous croyons que tu l'accorderas. Et nous avons ainsi demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Évangile de Saint Jean. Premier chapitre. Le verset 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Que le Seigneur
puisse venir là lecture sa parole. Mettez-vous. Nous vivons des temps prophétiques. Sont deux moments merveilleux. Dieu nous a honorés dans cet âge. Nous verrons l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Cette heure qui va se terminer dans la gloire. La meilleure façon de servir Dieu, c'est sur base des promesses. Et les promesses de Dieu sont certaines. Amen. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Amen. Quiconque s'accroche à une promesse, il est sur un terrain sûr. Amen. La juste compréhension de la voix de Dieu et du dessein de Dieu permet à la vraie foi de s'établir, parce que la foi vient de la prédication de la parole de Dieu. Quand la parole est dérangée, les gens auront une fausse foi. Même pour faire les véritables expériences du salut, ce n'est pas la voie de la prédication. C'est pourquoi les hommes de vérité portent une grande responsabilité. Ils doivent communiquer au peuple de Dieu ce que le Seigneur a fait pour eux. Ici, nous sommes au commencement de la nouvelle alliance. Vous savez que tout l'Ancien Testament était concentré sur la première venue du Seigneur. Maintenant, le temps arrive pour que Dieu fasse l'histoire du salut. Dieu a pris 4000 ans pour instruire Israël à ce sujet. Même le plus petit détail était réglé. La ville d'où devait naître le Messie était même citée dans la Bible. Et Jésus est venu conformément aux Écritures. Le pharisien ayant mal interprété la parole de Dieu et les autres, ils ont raté la plus grande visitation de l'histoire du salut. Tout en persévérant dans une fausse adoration. Comme ça se passe aujourd'hui. J'aime que vous voyez une chose. Le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des promesses. Et il finira de la même manière. Tel qu'il a commencé, il en sera de même à la fin. Quand Dieu accomplit la prophétie, seuls les élus ont la capacité de voir ce que Dieu est en train de faire et de participer à la chose. Et seuls sont concernés par la chose. Même le signe des temps
Nous, nous le prenons au sérieux. Les autres en parlent avec légèreté. Mais nous, nous le prenons au sérieux. Et ce sont des choses qui n'aident que les élus. Si vous vous êtes aidé, comprenez que vous faites partie des élus. Quelqu'un peut à côté de vous, comme il n'a pas cette capacité, il verra toujours de la mauvaise manière. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties. Le monde a vu un homme à l'aspect bizarre. Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est plus facile de parler de Jean-Baptiste. Parce que c'est de l'histoire. Mais au temps de Jean-Baptiste, il fallait être élu pour comprendre que c'est un homme envoyé de Dieu. Les voix de Dieu sont des voix insondables. Et quand Dieu est à l'œuvre, il utilise des moyens qui sortent de l'ordinaire. Des voix auxquelles les gens ne sont pas habitués. C'est pourquoi Dieu dit, Esaïe 55. Mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous servons un Dieu surnaturel. La pensée humaine ne peut pas comprendre les pensées de Dieu. Il faut un peuple surnaturel. Un homme à l'aspect bizarre. Dieu connaissant l'ampleur de la mission des gens, il n'a pas voulu qu'il se mélange à la société. Il n'a même pas voulu qu'il suive le col de son père. Il a retiré pour l'amener au désert. Et déjà à l'âge de 9 ans. Si vous reversez la scène, vous comprendrez que quand Dieu t'enlève, c'est extraordinaire. Regardez aujourd'hui avec les orphelins, il faut un soutien. De la famille ou de la société. Mais en brousse à l'âge de 9 ans. Il dormait où? Quant à sa nourriture, il se nourrissait de sauterelles sauvages et de miel. Si vous demande demain de m'apporter des sauterelles, vous allez transpirer pour attraper ça. À Lubumbashi, il y a une église qui a plus ou moins 30 kilomètres de Lubumbashi. Dieu a utilisé un frère. Il dit, frère, venez nous prêcher. J'ai une condition. Apportez-moi les sauterelles, je viendrai là-bas. Pendant une année, ils ont échoué. Demandez autre chose. Donnez-moi les sauterelles. Et ils attrapent comment Jean-Baptiste? Pour remplir son ventre. Quand Dieu envoie quelqu'un, il prend soin de son nom. Si c'est la dénomination, il faut que la dénomination s'occupe de vous. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Amen. Même vous qui les servez, d'une façon ou d'une autre, c'est le meilleur payeur. Amen. Dieu n'est pas ingrat pour
oublier ses fidèles. D'abord, il est écrit quelque part. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la tristesse. Le secours peut tarder. Mais manquer, c'est impossible. Donc, parfois, on est patient. Nous attendons le secours en silence. Il finira par nous atteindre. Mais manquer, c'est une chose impossible. Que Dieu prenne soin des gens au désert. Un prédicateur de la justice. Quand l'État est arrivé, il a commencé à proclamer son message. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Je n'étais pas un diplomate. C'était un prédicateur de la justice. Un homme de Dieu doit prendre la parole de Dieu. Peu importe les conséquences. Dites la vérité aux gens. Même si ça fait mal, c'est pour leur bien. Et ceux qui sont destinés à la vérité, ils aiment la parole et ils justifient. Amen. Il donne raison à Dieu. Selon les plans de Dieu, un homme envoyé de Dieu. Nous avons besoin des hommes envoyés de Dieu. Amen. Celui que Dieu envoie, il dira toujours les paroles de Dieu. Amen. C'est un témoin. N'témo. Pour un témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous croient par lui. Pour Dieu. Autant de gens. L'unique voie pour croire, c'est par lui. Pas autrement. Et l'homme n'a jamais apprécié ça. C'est une pierre d'achoppement. Il y avait beaucoup de groupes. Les pharisiens, dit la parole, fit à des sages. Jean était prophète. Et tous devaient croire par Jean. Mais Jean n'était pas la lumière. Il est venu pour un témoignage à la lumière. Et c'était troublant pour le clergé, le monde religieux. Mais tu as troublé le monde. Qui es-tu finalement? Pour agir de la sorte. Il n'a pas répondu en disant, je suis le révérend tel. Il les a référés aux Écritures. Dans votre loi, là, il y a une écriture qui dit, il y a une voix qui est au désert. Préparez le chemin du Seigneur. Esaïe 40. De ce mois. C'est ça mon identification. Les hommes de Dieu, ce sont les écritures qui les identifient. Amen. C'est quoi, nous devons toujours accepter le jugement de la parole de Dieu. Nous devons tous nous soumettre à la parole de Dieu. Et le monde est à la croisée des chemins. Il y a des gens qui ont accepté le message des gens. Les gens de la basse classe. Les publicains, les publicains. Mais pour les clergés, c'était dur. Il n'est même pas courtois. Il nous appelle, nous, race de vipères. Non. Il sort de quelle école de théologie? Regardez comment il est habillé.
Moi, je suis bien habillé ce soir. Même une fois, le bien pas dit lui. Lui se revêtait de peau de chameau. Hier, vous voyez la bise, ma bête. Je sais une peau tannée ou pas, je ne sais pas. C'est même, je sais pas, je vous dis, c'est quoi, il y avec le miel. Ni bouichi. Peut-être il s'est baigné par moi. C'est même, vous bisez, vous savez, vous savez, il s'est lavé. Ah, voir le moment, il vous savez, vous savez, vous savez. Il n'allait pas au salon de coiffure. Quand vous voyez mon salon, vous pouvez vous faire. C'est un homme terrible. C'est Jean-Baptiste. Bouillon Baptiste. Vous pouvez venir ce soir à Dito. Aucune église ne recevrait. Quand vous voyez les mouvements, sauf nous. A moto et tout. Sauf nous. A moto et tout. Si nous étions autant de gens, on serait compté parmi les vrais croyants. Dieu nous a vus dans l'âge de la Odyssée. Dit j'enverrai ma parole. Et il a vu les croyants. Et il pouvait les prédestiner. Ils pouvaient les choisir. Dit, et ils vont croire toute la parole. Amen. Dieu est calme. Dieu n'est pas agité. Hier, je vous ai parlé d'Eliezer. Pour trouver Rebecca. Rebecca, c'était la réponse de Dieu à la prière d'Eliezer. Nous sommes la réponse de Dieu au Amen. Désir du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde est en train de Dieu est calme. Tout tourne parfaitement. Quelqu'un peut venir ici, même une femme. Elle écoute. Elle dit Non. Je me rappelle au début du message. Il y a des gens, des hommes qui mettaient les autres en garde. Fais attention avec les messages de Branham. Il ne faut jamais les croire. Sinon, tu vas confesser tous les adultères. Et vous savez que dans le monde, les gens se comportent comme des bêtes. Quelqu'un peut coucher avec toutes ses belles sœurs. Dans le monde. S'il a l'argent. Ou la femme qui couche avec ses beaux frères. Mais quand la parole vient, il faut corriger tout ça. Non. Mais les élus, ils n'ont pas hésité. Il dit, peu importe les conséquences, je veux être en règle avec Dieu. Pour nous, la parole de Dieu n'est pas pénible. Amen. Il y a des gens qui souffrent pour mettre la parole de Dieu en pratique. Mais nous, c'est notre problème. C'est ça notre vie. En nous, il y a un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Et Jean était sur terrain. L'accomplissement de la promesse. Ce qui était prétendu à la cause. Amen. Ils l'ont suivi. Et Jean comprenait le plan de Dieu. Quand il a vu Jésus, il a parlé de façon que tous aillent vers Jésus. Ils ne doivent pas être à deux sur la scène. Même ces fanatiques. Tout le monde va vers Jésus. Fais quelque chose pour arrêter la vie. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit. Moi, je suis l'ami de l'époux. Amen. Mais l'épouse appartient à l'époux. Amen. Quand j'entends la voix de l'époux, ça fait ma joie. Amen. Nous ne sommes pas l'épouse de Frère Branham. Nous sommes l'époux de Jésus-Christ. C'est toute la différence. Amen. C'est un temps prophétique. Tu vois, quand Dieu envoie la lumière,
Elle n'éclaire que les élus. Amen. Et la même lumière aveugle les autres. L'évangile a une double action. Pendant que nous ne sommes plus éclairés, de l'autre côté, il y a des gens qui s'enfoncent dans les ténèbres. Comment expliquer? Avec une telle lumière au temps du soir. Le mystère sont publiés. La parole est révélée comme jamais auparavant. Dans la prophétie de Charles Price. Charles Price. Il dit, avec l'ouverture des seaux, le salut sera révélé dans ses détails. Pendant que les choses deviennent beaucoup plus claires pour nous, au même moment, les gens s'enfoncent dans les ténèbres. C'est la double action de l'évangile. Amen. Le promesse de Dieu, Dieu s'adresse aux concernés. Et seul tire profit de la chose. C'est comme aujourd'hui j'ai dit aux gens, si quelqu'un est de la famille présidentielle, même s'il n'est pas Kinshasa, il est seulement. Il y a des profits. Tout le monde le respecte, tout le monde le craint. Je ne peux pas voir de pouvoir avec la présidente. Et ça, c'est dans le monde. Et cet homme le sait. S'il conduit sans permis, s'il conduit sans permis de conduire, un policier de roulage l'arrête pour un contrôle. Il ne va pas commencer à trembler. Il est à l'aise. Il est sûr de lui-même. Dit monsieur, tu ne me connais pas. Bien. Excusez-moi. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Toi, tu m'as dit que il y a des avantages. Le fait d'appartenir à cette famille, il y a des avantages. On peut jurer de ces choses. Nous avons des problèmes. Mais nous les gérons dans l'imité de la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème qui dépasse la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Nous gérons tout dans les lignes de la parole de Dieu. On peut vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la concorde, malgré les problèmes, parce que la parole nous aide. Amen. Amen. Je peux me fâcher comme tout homme. Mais avant le coucher du soleil, grâce à la parole de Dieu, j'arrange tout. Amen. Et on est en paix. Amen. Comment toi, un frère, avec ce message, tu ne parles plus à ta femme pendant une semaine? Ce sont des démons. Tu n'as rien bénéficié. Amen. Parfois, tu dors affamé dans ta propre maison. Parce que tu es fâché, non. Nous pouvons nous chamailler. Peut-être sur les enfants. Et il est 11h. Mais à 12h, tu dois préparer les foufous. On n'a pas de problème en rapport avec les foufous. C'est un dossier des enfants. Nous mangeons ensemble dans la joie. Peut-être le soir, nous revenons sur le dossier des enfants. La parole est équilibrée. On ne fait pas le mélange des choses.
Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas la façon du monde. Même si je n'ai rien, j'ai la paix. Je suis malade, j'ai la paix. Le médecin dit, vous allez mourir, j'ai la paix. Parce même dans la mort, j'ai la victoire. Il est écrit, la mort c'est un gain. Un vrai chrétien ne perd rien en mourant. Il va dans la présence du Seigneur. Amen. Les élus. Dieu s'adresse aux élus. Les promesses de Dieu sont notre affaire. Amen. Nous surveillons. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir part à ce que lui-même fait. Il ne suffit pas de parler de l'œuvre de Dieu dans le passé. Soyez connectés à l'action de Dieu pour votre temps. L'homme dans sa nature, il a toujours vanté Dieu pour le passé. Il peut le louer pour ce qu'il fera. Qu'en est-il de notre aujourd'hui? La véritable œuvre de Dieu paraît toujours étrange aux yeux des hommes. Habakkuk 5, la parole dit, je veux faire une œuvre en vos jours. Mais si on raconte cette œuvre, vous ne croyez jamais. Les gens passent à côté de ce bâtiment. Mais qui peut croire? Qui peut voir que dans ce milieu caché, le Saint-Esprit prépare les pauses pour Christ? Nous avons des amis, des membres de famille, mais incapables de voir que nous sommes en train d'amener les gens au ciel. Et nous allons vous amener au ciel. Amen. Un prophète est honoré partout dans sa patrie. Amen. Dieu agit dans la simplicité. Dieu fait de grandes choses dans la simplicité. Mais tous les élus sont des choses glorieuses. Israël, le peuple de Dieu. Après 4000 ans d'enseignement, ils ont raté la plus grande visitation de l'histoire du salut. Ils ont dit qu'il soit crucifié. Que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Et ils ont fait des frais. Et nous comprenons, Dieu les avait avec leur dessein pour que nous nous entrions. Mais Dieu n'a pas aveuglé les gens des nations. C'est Satan qui les a aveuglés. Dieu envoie la lumière pour que les gens puissent bien voir. Mais les gens rejettent la lumière et ils s'enfoncent dans les ténèbres. Tout l'Ancien Testament, la promesse principale, c'était l'annonce que le Sauveur viendrait. On l'attendait. Et il est venu selon les Écritures. Ils l'ont raté. L'Église du Nouveau Testament a une histoire qui a commencé par l'accomplissement des prophéties et ça finira de la même manière. Il y a de grandes promesses. Nous devons les surveiller.
Parce que c'est notre affaire. Nous nous sentons concernés. Aujourd'hui, les gens sont démodés en ce qui concerne les choses du royaume. Ils veulent être à la mode dans l'habillement, dans chaque domaine. Mais quand nous parlons de Dieu, les gens sont démodés. Ils ont un Dieu historique. L'Église a une œuvre. Le Seigneur a une œuvre qui l'amène à l'achèvement. Vous savez, aujourd'hui, pour bien comprendre la parole de Dieu, vous devez connaître la nature de Dieu. Amen. Un véritable fils de Dieu connaît la nature de son père. Même dans le Chanel, chacun connaît la nature de son père. Il peut recevoir une lettre. Même si vous avez imité l'écriture, il lit. Il dit ça, ce n'est pas le langage de mon père. Lui ne parle pas comme ça. Je le connais. C'est comme l'enfant prodigue. Malgré sa condition rétrograde, il connaissait la nature de son père. Il dit, je veux retourner. Je connais mon père. Je lui dirai ceci, cela. Il me recevra. Il connaissait sa nature. Un fils de Dieu, même loin de la volonté de Dieu, il est capable de revenir. Il connaît la nature de son père. Si tu ne connais pas la nature de Dieu, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Amen. Ceci est très 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 important. Quand Dieu commence une œuvre, il achève. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais fait une chose à moitié. Si cette œuvre est l'œuvre de Dieu, même si les bergers meurent, tous les anciens meurent, je vous dis que l'œuvre ira jusqu'au bout. Parce que l'œuvre prospère entre les mains de Jésus. Nous pouvons tous mourir, mais l'auteur de l'œuvre, lui, il est vivant. Et l'œuvre prospère entre ses mains. Ça fait la nature de Dieu. Amen. Si un homme engage Dieu dans ce qu'il essaie de réaliser, il échoue. Amen. Il a au nom de Dieu. Dieu ne choue jamais. Quand il ordonne la chose à Dieu, quand il ordonne la chose arrive. Il y a des gens qui ont menti au nom de Dieu. Même dans ce message, parfois des fausses prophéties. L'enfant va ressusciter. Elle a fait rien. Non, Dieu n'a pas voulu ressusciter parce que son père est incrédule. Quand Dieu ordonne, même si le papa de l'enfant est juré Dieu, Dieu va ressusciter l'enfant. Il ne choue jamais. Ça fait partie de sa nature. Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Et quand il est à l'œuvre, il amène ce qu'il fait à la perfection. Pas à moitié. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Un pied dans le monde, un pied dans la parole, ça n'existe pas. C'est un chrétien complet. Quand Dieu délivre, c'est une délivrance totale.
Ne dites jamais. Moi, tout est parti. Sauf le mensonge. Il ne faut pas négocier avec le diable. Ce que Moïse en Égypte. Le diable négociait. Vous partez de terre, dit pas question, laissez rien. Dieu nous délivre totalement. Vous devez croire et avancer sur ce terrain-là. Il ne fait jamais de choses à moitié. Il ne choue jamais. Ça fait partie de sa nature. Et l'Église a des promesses. Nous sommes à l'homme son retour. Le retour du Seigneur. C'est ça l'actualité aujourd'hui. Amen. C'est ça le thème principal. Le christianisme a une base. Il y a les souffrances de Christ. Sa mort. Sa mise au tombeau. Sa résurrection et son retour. Nous sommes maintenant à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Dieu nous a honorés. Nous avons un message urgent. Dieu doit avertir le monde entier. Le jugement vient après l'avertissement. Dieu a besoin de vous. Il a besoin de moi. C'est ça l'actualité. Le retour du Seigneur. Nous sommes ici parce que nous croyons que Jésus revient. Nous l'attendons. Il doit revenir. Ce sera un retour physique. Pas un retour spirituel. Un retour physique. C'est ce que les anges ont dit. Regardez comment il est en train de partir. Il reviendra exactement de la même manière. Un homme partait. Un homme doit revenir pour prendre des hommes. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Pas sur cette terre. Nous quitterons cette terre pour le rencontrer dans les airs. Et parmi les frères et sœurs qui sont dans cette salle, il y en aura qui quitteront la terre vers la gloire sans passer par la mort. C'est vrai. C'est une haute élection. Destinée aux élus. Il y a des frères qui ont manqué de patience. Et ils ont créé des fausses doctrines. Jésus est déjà venu. Non, nous l'attendons. Il reviendra pour nous. Nous l'attendons. Et nous persévérons. Nous avons une espérance. Nous nous purifions. Parce qu'on a une espérance. Jésus doit revenir. Le retour du Seigneur. C'est ça notre thème principal. Nous sommes ici parce que nous croyons que Jésus revient. Et mes frères prédicateurs, Dieu nous a chargés pour lui apprêter une épouse. Nous sommes des prédicateurs spéciaux. Nous avons une mission spéciale. Hier, je vous dis que Eliezer, il y a trop de responsabilités. Je vais aller seul. Comment est-ce que je pour convaincre la jeune fille? Abraham lui dit, le Dieu que je sais, lui-même il enverra son ange. Si la femme refuse, tu seras dégagé du serment. Toi, tu dois seulement respecter mes instructions. C'est ce qui se passe en cette heure.
La mission paraît impossible. Pour la pensée humaine. Un homme ne peut pas rassembler les gens comme vous êtes ici. Observez même l'esprit qui règne. Dans les dénominations. Les gens agissent avec hypocrisie. Mais si les gens agissent avec leur cœur. Ça, ce n'est pas un homme. C'est une action divine. On ne force pas. Ça fait partie de votre nature. Dieu est à l'œuvre. Un homme de Dieu ne fait pas de calcul. Il transmet au peuple ce que Dieu a dit. Quand vous proclamez la vérité, le Saint-Esprit se saisit de la chose. Pour aider ceux qui aiment la vérité. Parce que nous devons toujours justifier Dieu. Seigneur, ce que tu as dit, c'est la vérité. Mais viens à mon secours. Aide-moi. J'aime ça. Secours-moi. Et Dieu agira. Nous attendons le Seigneur. Il revient bientôt. Et pour accomplir la chose, il y a des promesses en rapport avec le retour du Seigneur. Il y a des promesses. Il y a la promesse principale. Le retour du Seigneur, c'est dans Jean 14, 1 à 3. Ça, c'est la promesse principale pour notre âme. Mais il n'y a pas que ça. Dieu a promis d'envoyer Élie, le prophète. Avant le retour du Seigneur. C'est une promesse qui accompagne la promesse principale. Je vous enverrai Élie, le prophète. Élie que Dieu doit envoyer. Élie, il doit être un prophète. Pas un autre Dieu. Ceux qui adorent Frère Branham sont en erreur. L'Élie que nous attendons, c'est notre Élie le prophète. Pas Élie Dieu. Je. C'est Dieu. Zambi. Vous. Nous. C'est vous et moi. C'est Je qui envoie. Zambi. Il envoie qui? Élie. Élie. Élie le prophète. Élie mon prophète. Frère Branham, c'est un prophète promis dans les Écritures. Amen. Ce n'est pas un prophète comme on en trouve dans les dénominations, non. Et Dieu a manifesté une Écriture. C'est ça la pierre d'achoppement. L'Écriture écrite, c'est facile. Quand l'Écriture devient un homme, c'est ça la pierre d'achoppement. Élie le prophète. Élie mon prophète. Et l'a envoyé. Zabi Mumotuma. Et Dieu dans sa sagesse. Il a confondu les mondes. Nous avons un âge très intellectuel. D'après nous, Dieu aurait pu choisir un grand théologien pour ça. Mais Dieu va prendre un homme avec une instruction primaire. Mais c'est une pierre d'achoppement pour le monde. Et il nous confie un grand message. Frère Branham devait avoir foi dans sa commission. Et Dieu lui a dit, si tu peux me les gens te croire, donc tu dois insister que c'est toi, Élie le prophète.
Rien ne pourra résister à ta prière. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Un homme Dieu, il doit avoir foi dans sa commission. Accepter que Dieu m'a donné une pour son église. Ça, c'est l'église de Jésus. Amen. Il y a des dénominations. Quelle grâce! Dieu te confie la charge de son œuvre. Mais on ne doit pas agir avec légèreté. Amen. Ce sont de très grandes responsabilités. Nous sommes la cible privilégiée de Satan. Amen. Frappe le berger. Afin que le ruisseau se disperse. Quand Satan saisit un frère, il peut faire des dégâts. Mais avec un prédicateur, c'est plus de dégâts. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent comprendre leur responsabilité. Frère Branham est venu dans l'esprit d'Élie. Et si nous voulons comprendre, il y a une référence, c'est Élie le Tisbite. Israël était dans une confusion. Dieu dit, je vais le secourir. J'envoie Élie pour ramener Israël à la véritable adoration. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un temps de confusion. Les gens adorent n'importe qui. Dieu envoie un message pour que nous revenions à la véritable adoration. Et au temps d'Élie, il devait d'abord redresser l'autel. Frère, a fait exactement la même chose. Il a rétabli l'autel avec les 12 pierres qui représentaient les 12 fils enfants d'Israël. Quand il a fini, tout était fait d'après la parole de Dieu. C'est alors qu'il a élevé sa voix vers le ciel. Dit Seigneur, que tout Israël sache que toi tu es Dieu. Amen. Moi je suis ton serviteur. Il n'a pas dit que toi tu es Dieu à adorer. Moi je suis un Dieu à ne pas adorer. Non, non. Toi tu es Dieu. Moi je suis ton serviteur. Et j'ai fait toutes ces choses d'après la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout doit être fait selon la parole de Dieu. Amen. Frère Franck dit, Moi, nous sommes dans un tournant décisif de la parole de Dieu. Ça dit, tout ce qui n'est pas conforme à la parole doit sortir de notre bouche, de notre vocabulaire, de notre comportement, de notre vie, de notre foyer, de notre famille, de notre habillement. Tout ce qui n'est pas en accord avec nous. C'est le temps dans lequel nous sommes. Même de l'église. Tout ce qui n'est pas conforme, ça doit sortir. Si nous voulons que le feu descende du ciel, c'est un temps spécial. Et les gens, ils ont raté. Même ceux qui prétendent être dans le message. Mais ils ont fait une fausse route. La première étape, c'est la sortie. Nous sortons de tout. On sort des traditions. On sort des coutumes. De la dénomination. Des fausses doctrines. C'est une sortie totale. Il y en a qui ne sont même pas sortis. Comment on peut trouver une assemblée de ce message avec l'histoire de sorcellerie dans l'exilieux vivant? Amen. On chasse même les gens. Et les sorcières. C'est une honte.
Aucun prophète l'a fait. Aucun apôtre l'a fait. Jésus n'a jamais fait des choses comme ça. Yes, on amène un malade. Il s'est attendu. Oui, mais Satan. Amen. Non, non. C'est une honte. Amen. Même la sortie, on l'a ratée. Et quand tu rates la direction, plus tu avances, plus tu t'éloignes de l'objectif. L'objectif est là. Pour atteindre, c'est ça. Et quand tu dévies, que tu vas à côté, c'est pourquoi le retour est impossible. Le retour est impossible. Quand quelqu'un est dans une petite déviation, dit non, ça ce n'est pas la route d'un bougement. Ça c'est Kanda Kanda. S'il a fait 10 mètres, il peut retourner. Mais s'il est plus un Kanda Kanda, c'est pourquoi il n'y a pas de plan pour les séducteurs. Un séducteur ne reviendra jamais parce qu'il fait son ministère. Mais ceux qui ont été séduits, les enfants de Dieu, ils peuvent revenir quand ils entendent le son de la trompette. Parce qu'ils sont destinés à la vérité. C'est pourquoi, mes frères, nous devons totalement sortir des choses du monde. Nous devons nous séparer. Nous devons nous purifier. Dieu compte sur nous. Dieu veut que nous soyons dans son économie. Quand il a besoin d'utiliser quelqu'un, c'est déjà un vase propre, prêt pour le service. Et ce vase, c'est vous. Dans les dénominations, ou même dans les gens de la fausse doctrine, les gens des dons sont appelés des vases. Ceux qui ont des dons sont des vases. Les vases doivent parler. Mais la Bible est claire. Dans une maison, il y a deux vases. D'honneur et d'usage vide. Si quelqu'un se conserve pur, mais il sera un vase d'honneur. Nous devons nous séparer du monde. Sortir des fausses choses. Dis, ne touchez pas ce qui est. C'est alors que je vous recevrai. Tout ce que Dieu déclare impur, on n'y touche pas. Amen. On n'y touche pas. Quand Dieu dit que c'est impur, c'est impur. On n'y touche pas. Et Dieu nous a instruit. Le meurtre, c'est diminuer l'influence de quelqu'un. Aujourd'hui, utilisons notre influence comme barrière de protection pour les faibles. On doit dire les gens, attention. S'il est à la mort, il tombera dans la pluie. Mais moi, je dois t'avertir. Attention. On ne touche pas aux choses impures. Parce que Dieu compte sur nous. Soyez séparés. C'est un temps de purification. Parce qu'on a des promesses. Une femme qui a reçu une promesse du mariage, mais elle prend des écarts vis-à-vis de ses anciens amis. Parce qu'il y a une promesse. Mais quand on n'a pas de promesse, on met n'importe quelle vie. Et Dieu compte sur vous. Mais Branham n'est plus. Il est déjà décédé. Mais le message vit. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu continue son œuvre. Même ici à Mwenedito, Dieu est à l'œuvre. Parce qu'il y a une épouse. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu nous a fait la grâce de voir son action et de prendre part
à ce qu'il est en train de faire. Mm-hmm. La véritable œuvre de Dieu, c'est ce qui se passe ici. Amen. Se conforme à sa parole et à sa volonté. Et ça va se terminer dans la gloire. Nous nous approchons de grandes choses. Dieu nous instruit. Dieu nous prépare. Et les élus sont très attentifs à la parole. C'est ça la particularité. Ils sont très attentifs à la parole. Plus que toute autre chose. Dieu exige la chose. Même avant le retour du Seigneur. Tout doit être rétabli. Dans son église, c'est comme une mise en place avant l'arrivée du grand chef. Dit le président doit arriver à Dito. Il y a la population qui vient. Tout. En dernier, le gouverneur doit être là. Nous, mon gouverneur, nous ferons mieux. Mise en place terminée. Bah, j'ai déjà moi qui maintenant, on envoie le message. Puis tout est prêt. L'avion peut atterrir maintenant. Et Jésus regarde l'église. Yes, il est l'église. Son retour à l'ordre. L'ordre divin du salut. L'ordre public de l'église. L'ordre local, tout en ordre. Le pasteur à sa place. Le diacre à sa place. Le ministre à sa place. L'homme à sa place. L'enfant à sa place. Les enfants à leur place. Même notre vocabulaire. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, ça doit sortir. Pas de saleté. Notre parole. Qu'elle soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonnée d'esprit. Pas n'importe quoi. Qui tu traînes les choses là? Et Dieu a prié pour ça. Les âmes vont rassembler mon bénévole lui. Pour l'Église. Bah et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes la réponse à la prière de Jésus. Tu dis j'entends mon nom pour rassembler à Jésus la grâce. Et nous tendons vers quelque chose. Tu peux t'arrêter quand tu campes. L'homme charnel. Mutombidi. Ah, est-ce qu'on peut trouver un vrai croyant aujourd'hui? Nous pensons ça va changer bien le. Oui. Oui. Il y a des vrais croyants. Quand nous parlons de la virginité, il y a déjà. Ah! Ça, c'est quel type de prédicateur? Il vient de l'Antiquité. Mais je vous dis, Dieu a des témoins. Dieu ne peut pas échouer. C'est un âge mauvais. Le pire de tous. La Odyssée. Mais dans cet âge, Dieu va manifester son épouse. Et Dieu nous a honorés. Nous faisons partie de son épouse. Croyez. Et agissez. Comprenez votre responsabilité. C'est pourquoi mes frères et mes soeurs, Satan ne nous aime pas. Satan qui m'a tout. Soyez conscient de la chose. Il mais Dieu a un plan. Merveilleux. Qui ne faillira jamais. Et chacun peut compter sur sa fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Mais je remets les services au président du club. Tendelelo, kurumbang shan tendelelo mwina.